Le mouvement d'humeur déclenché dans la matinée de ce lundi 22 juillet 2019 à la prison centrale de Yaoundé a tourné ce soir à l'émeute. La suite après le générique. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les manifestations entamées dans la matinée de ce lundi à la prison centrale de Yaoundé par les prisonniers de la crise anglophone pour exiger leur libération, s'enlisent. La télévision d'État a annoncé dans son 20h, une réunion de crise présidée par le préfet du département du Mfundi avec autour de la table, les responsables de la prison et les délégués des prisonniers. Peu de temps après cette information, la tension est montée d'un cran, l'autorité administrative n'ayant pas réussi à ramener le calme. Des sources internes font état d'un incendie déclaré à l'infirmerie, des coups de feu tirés pour dissuader des détenus qui seraient tentés par une envie de s'évader, des prisonniers vite blessés ou en difficulté à l'instar de l'ex-PM Ephraim Inoni et des anciens ministres Roland Nao Ono et Edgar Alain Mebe. Alors que des prisonniers continuent de chanter dans la grande cour, refusant de retourner dans leurs cellules, les autorités continuent de chercher des solutions, tout en mobilisant les forces de l'ordre pour renforcer la sécurité dans et autour du célèbre pénitencier. Au moment de boucler ces lignes, la tension n'était pas retombée. Mais, répondant à la sollicitation de la presse, les autorités indiquent que « la situation est sous contrôle ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, merci.